Miss France 1992 est comme tout le monde. Quand il s'agit de ses parents, Jim Darby retrouve tout de suite une âme d'enfant. Explication. À l'affiche de la série à succès de TF1, Demain nous appartient, Jim Darby a plus d'un tour dans son salle. Élu Miss France en 1992, elle enchaîne depuis 1999 les rôles au théâtre et à la télévision. Après avoir joué plusieurs saisons dans Section de recherche aux côtés de Xavier Deluc, c'est dans Demain nous appartient qu'elle joue le rôle de Clémentine Doucet, professeure du lycée Paul Valéry de Sète. Avec une telle carrière et tant de rôles à son actif, on pourrait la voir très à l'aise sur scène. Partage l'affiche avec le danseur Christophe Icata, danseur et chorégraphe et participant régulier de l'émission depuis 2001. Un rôle dans lequel elle excelle. Pourtant, je suis totalement novice dans le domaine. Je n'ai jamais pris de cours, je ne connais absolument rien en danse de salon, mais j'aime la danse, a-t-elle déclaré au magazine Mundo. D'ajouter, je vais relever le défi, mais je ne sais pas si je tiendrai le choc jusqu'au bout. Et pourtant, elle cède le temps à chacune de ses apparitions, jouant l'alchimie parfaite avec son partenaire et faisant preuve d'un grand professionnalisme. Malgré tout, la belle n'est pas sûre d'elle-même et ce qu'elle redoute le plus n'est pas forcément ce à quoi on pourrait penser en premier. Toujours dans Nous deux, elle a ajouté, les artistes ont souvent le trac à l'idée que leur famille ou leurs amis assistent à leur spectacle. Mieux vaut ne pas le savoir pour éviter ce stress. Pour ma part, je pense que je serais plus angoissée par la présence de mes parents qui sont forcément critiques à mon égard que par celle de mon fils nerd de la rédaction, Andrea. Une réaction touchante, qui montre à quel point le regard de ses parents la touche.